¡Hola, hola, les amis! ¿Cómo que ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir quels sont les 10 vêtements les plus indispensables à avoir dans votre garde-robe. C'est parti! Baby, I want you to know. La dernière fois, nous avons vu comment construire votre garde-robe. Si vous n'avez pas vu la vidéo, la fiche est juste ici. Mais je sais que certains d'entre vous, je n'avais pas trop d'imagination. C'est pourquoi je vous ai concocté cette petite liste. Et donc, on va commencer par le vêtement numéro 1. À mon avis, que tous les hommes devraient avoir dans leur garde-robe, pardon. Et c'est le jean noir. Alors, voyons voir ce petit beau gosse. Et oui. Ça, c'est donc pour moi un super indispensable. Le jean noir. Boot comme ça, tout noir, pas un peu gris, ça va pas. Il faut qu'il soit tout noir comme celui-là. Pourquoi? Alors c'est un vêtement super polyvalent, perso je le mets tout le temps. Vous pouvez le mettre un peu plus habillé ou un peu plus streetwear si vous voulez. Un jean comme ça, vous le mettez partout, tout le temps, quand vous voulez. Allez, ça va avec tout, vraiment. C'est une pièce qui vous met en valeur, qui amincit en plus parce que c'est du noir. Le mien c'est un Levi's 511. Mais je l'ai emmené chez le tailleur parce que franchement la coupe elle était trop droite. Donc je vous conseille pour les beaux pantalons, emmenez-les chez le, chez le tailleur qui fasse en sorte que les chevilles soient à la bonne taille. Donc vraiment un indispensable, vous mettrez partout où vous allez et vous verrez l'investissement vaut la chandelle. Non c'est pas ça, ça veut rien dire, ça veut rien dire ça. Vous verrez ça en vaut l'investissement. Voilà putain qu'est-ce que je suis un gros con moi. Alors, en deuxième position, nous viennent les sneakers blanches. Et ouais les amis, ça là, vous voyez là, c'est l'indispensable, vraiment ça, tout le monde en a besoin. Peu importe ce que vous faites dans la vie, ces chaussures là, c'est un must have. Vous pouvez la mettre, mais putain, avec tout ça. Avec une chaussure blanche comme ça, vous pouvez la mettre avec n'importe quoi. Et vous avez l'air toujours stylé. Je vous mets quelques photos ici de tenues plutôt classe, mais vous pouvez, comme je vous dis, le mettre avec un costume, vous pouvez le mettre avec une chemise, avec un jean pour aller à la muscu. Ces chaussures là, blanches comme ça, c'est un indispensable à avoir. Par contre, il faut qu'elles soient blanches, d'accord? Prenez bien des chaussures complètement blanches, qui n'aient pas de couleur. Ça c'est des Stan Smith, là il y a le petit vert là. Voilà, c'est la seule touche de couleur, mais c'est pas très grave. L'important c'est que la plus grosse partie, ce soit tout blanc. Faut pas que ce soit moyen blanc ou avec des comme les Adidas Superstar là, ça c'est pas bon, faut que ce soit tout blanc, d'accord. Et aussi un truc très important, garder les propres, même si c'est dur parce que les chaussures sales c'est vraiment pas bon. Et en plus las chiquitas, guapitas, señoritas, elles vont tout de suite voir que vos chaussures elles sont sales. Et les mecs, moi je vous dis, ça pardonne pas, ça pardonne pas. Ensuite au numéro 3 nous avons les t-shirts unis, d'accord. Alors il vous en faut plein. Franchement, ça, c'est pas un vêtement, mais c'est plutôt tout un groupe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous fournir, en fait, plusieurs t-shirts totalement unis. Voilà, comme ça. Faites en sorte qu'ils soient fit à votre taille, c'est-à-dire que les épaules tombent au bon endroit, que les bras ils soient assez serrés pour qu'on puisse voir un peu vos muscles et que vous ayez de la place au niveau du ventre pour pas que ce soit trop serré, vous ressembliez à un petit saucisson. Hein. Ayez plein de coloris. Moi, je vous conseille déjà d'avoir un blanc, un noir. Et après, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit rose, un petit vert, c'est vous qui voyez. Mais essayez d'en avoir beaucoup, différentes couleurs, parce que les t-shirts comme ça, c'est un essentiel, quoi. Vous en aurez besoin. Ça passe super bien tout seul, avec un pantalon, c'est des pièces passe-partout et qui vous servent tout le temps. Et vous verrez qu'elles sont très polyvalentes. Elles vont, comme je vous dis, avec tous vos vêtements, donc un essentiel, vous devez vous en fournir au plus vite. Ne dépensez pas des tonnes comme j'ai fait comme un bouffon avec celui-là là. Ça m'a coûté super cher ce t-shirt de merde. Prenez-en chez Mango par exemple, ils sont super bien, ou à Zara, H&M, il y en a un peu partout. Pas besoin de dépenser des fortunes, ça coûte pas cher et c'est super utile à avoir. Ensuite, en quatrième position, nous n'avons pas un seul vêtement, mais plutôt je dirais un ensemble de petits trucs. Et là je vous parle bien des accessoires les amis, les accessoires. Par exemple, voilà, tout ça, ça c'est tous les accessoires. Enfin, il vous faut, voilà, des bracelets, une montre, une ceinture. Comment ça s'appelle, ça pourra mettre la thune là. Un portefeuille. Parce qu'en fait, c'est grâce aux accessoires, une tenue très simple peut passer de simple et banal à plutôt stylé. C'est les accessoires qui permettent d'améliorer un peu votre style.
C'est vraiment super important. C'est un petit peu la série sur le gâteau, sur une tenue. Ça permet de, bah, justement d'être un peu plus stylé que les autres personnes qui justement n'auront pas ces, tous ces détails bien agencés. En cinquième position, je vous ai choisi la fameuse chemise blanche. Et ouais, on peut pas passer à côté, les mecs, je l'ai mis quand même dans ma petite sélection. Pourquoi ? La chemise blanche, c'est un indispensable également. Tout homme qui se respecte doit avoir au moins une chemise blanche qui lui va comme un gay. Parce que, bah, comme je vous dis, ça vous sert tout le temps. Vous pouvez la mettre pour un petit rendez-vous avec une... Vous pouvez la mettre pour un mariage, vous en avez besoin. Pour, je vous dis, par exemple, un mariage, vous en avez besoin. Vous devez mettre une chemise au moins. Il faut l'avoir, c'est un truc de l'homme, tu vois. Tu peux pas ne pas avoir de chemise blanche. C'est comme une meuf qui a pas une robe. Voilà. En sixième position, nous avons les Chelsea Boots, man, motherfucker. Et ouais, les mecs, les Chelsea Boots, là, ça, tu vois, ça, c'est de la frappe, mon gars. Tout le monde devrait en avoir. Tout le monde devrait en avoir. Les boots, c'est un truc de mec, tu vois. En hiver, tu fais comment? Tu vas pas te cailler les pieds, là. Tu mets des boots, mon gars. C'est trop stylé. Ça va, en plus, pareil, avec tout. Les boots, ça va avec tout. La couleur, moi, j'ai pris celle-là un peu marron-noir, qui sont super cool. Mais vous pouvez prendre des toutes noires. L'important, c'est d'avoir des boots. Moi, mes préférés, c'est les Chelsea Boots, parce que je les trouve super polyvalentes. Mais si vraiment vous aimez pas le style, un peu comme ça, eh ben... c'est pas grave, parce que vous pouvez prendre toujours d'autres types de boots avec des lacets par exemple. Mais pour moi, les plus indispensables, c'est celle-ci. Voilà. Alors en 7ème position, les amis, nous avons là... Yeah, mon pote, ta veste en cuir. Un truc de bad boy, ça. Ça, c'est... Tu vois, mon pote, ça, c'est... pépite. Ça, tout le monde en a besoin. Et c'est super stylé, ça fait bad boy. C'est la truc de l'homme, du mec putain de classe, tu vois. Genre ça, je me dis, ça, c'est vraiment le truc à avoir chez tout le monde. Ça va avec tout, encore une fois. Néanmoins, comme dirait l'ami Evgen, je me tâtais. Si vraiment vous aimez pas les vestes en cuir, moi je vous conseille alors de prendre un blazer. Blazer. Ça aussi c'est indispensable. Mais ce qui se passe, c'est que moi dans ma vie de tous les jours, j'ai pas trop l'occasion de mettre des blazers. Franchement, c'est pas trop mon style. Donc je l'ai pas mis dans ma propre liste. Mais c'est vraiment indispensable. Il faut en avoir un dans son placard. Donc quitte à ne pas prendre la veste en cuir, je vous conseille absolument de prendre un blazer, les amis. Voilà. En 8ème position, on retourne vers les pantalons et j'ai choisi le chino. Parce que le chino, beige clair. Pourquoi? Parce que pour l'été, ça va super bien. Ça change du jean noir et ça vous permet de, justement de varier et de créer encore plein de possibilités. Vous pouvez retrousser les manches, le porter avec une chemise, le porter avec un t-shirt, le porter avec un blazer, le porter avec une veste en cuir. Vous pouvez le porter avec à peu près tout. Mais voilà, un indispensable à avoir pour varier, pour changer. Et en 9ème position, je vous ai choisi un pull. La victoire du pull. Et ouais, donc là, le pull, la couleur, franchement, il n'y a pas de couleur obligatoire. L'important, c'est d'avoir un pull un peu comme ça. Un pull avec un col rond qui soit doux. C'est le plus important, mais surtout, qui soit uni. Comme ça, choisissez des couleurs, celles que vous voulez, mais faites en sorte qu'ils soient unis, avec une bonne taille, une bonne coupe qui vous mette bien en valeur, qui serre un peu vos bras, oui. Comme d'habitude, on aime bien avoir les bras compressés pour pouvoir montrer qu'on est fort. Un pull comme ça, vous pouvez aussi choisir en noir ou en gris, c'est super cool, même bleu marine. Mais il vous en faut un, parce que quand il fait froid, vaut mieux quand même s'habiller un peu chaudement. Et justement, on en vient, c'est justement le 10ème vêtement le plus important selon moi. Et c'est un manteau, les amis. Un manteau, parce que oui, un manteau. Et pas n'importe quel manteau. Pour moi, le meilleur que je vous conseille, c'est un overcoat. Et ouais, les gars, comment ça se passe là? Overcoat, man. Parce que je trouve que c'est le truc le plus stylé, tu vois. Genre, ça change de doudoune, tout ça, là vous n'en avez pas besoin. Alors qu'un overcoat, ça c'est indispensable. Ça vous rend tout de suite plus classe, plus mature, plus homme, moins gamin, quoi. Là vous avez un truc comme ça, en plus ça tient super chaud en hiver. C'est le top. La couleur que je vous conseille, mais il est un peu gris. Mais vous pouvez très bien le prendre tout noir si vous préférez. Il y en a des camels aussi super cool, mais je pense pas que ce soit un indispensable. Plutôt noir ou plutôt gris, je vous conseille pour commencer. Le camel, vous pouvez l'avoir pour plus tard parce que c'est un peu plus dur quand même à combiner. Vous pourrez pas le mettre avec vos vêtements de tous les jours. Donc voilà, noir ou gris, c'est super.
Et voilà, amigos, ça c'était ma liste de 10 vêtements indispensables à avoir dans sa garde-robe. C'est mes préférés, c'est ce que je pense que tout le monde devrait avoir. Et si selon vous, il y a un vêtement que j'aurais dû mettre dans cette liste qui n'y figure pas, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.